Alors, bonjour à tous, bon vendredi, bon vendredi 13 en fait. D'ailleurs, on a vécu un jeudi 12 assez mouvementé. Salut Martin, comment ça va? Oh, je pense que Martin m'entend pas. Ok, petit problème technique. Désolé, on va tenter de régler ça tout de suite. Donc, Martin, tu m'entends-tu? Oui, bon, ok, on avait un petit problème avec le son. Encore une fois, c'est les démons, pour pas dire des démos parce qu'on n'est pas en train de faire une démo, mais les démons de Twitch qui jouent contre nous avec le son, le fameux son. Donc, j'étais en train de souhaiter bonjour à tout le monde, Martin, bon vendredi 13. Puis je disais d'ailleurs, on a vécu un jeudi 12 assez mouvementé. Donc, tu peux-tu nous raconter, Martin, qu'est-ce qui s'est passé Ah. là? Ben, bonjour tout le monde. Ben oui, Michael, écoute, c'est soudainement, hier, on travaillait très occupé, comme à l'habitude, et à un moment donné, mon ordinateur, j'ai un Mac. Hein, j'ai un Mac. C'était une erreur que T'as un j'ai faite de Mac? choisir un Ah, Mac. Ben, c'est écoute, déjà là, t'es condamné. oui, je le sais, hein, c'est moi qui travaille dans l'open source, puis je travaille sur un Mac, en tout cas, ça, je m'excuse, je m'excuse. Et là, soudainement, tout arrête de fonctionner, OK? Et Oui. je cherche, j'essaie de comprendre, je libère de l'espace sur mon laptop, j'essaie d'appliquer dernière mise à jour, là, pas le dernier OS, dernière mise à jour, ça prend une éternité. Finalement, ça se règle comme par magie. Et ce matin, je tombe sur une nouvelle. Laisse-moi partager Oui, mon écran, vas-y, je s'il te te mets plaît. en... Oui, vas-y. Écoute, je tombe sur cette nouvelle. Donc, imaginez que je n'étais pas tout seul à voir le problème. Et apparemment, à chaque fois qu'on ouvre une application sur son Mac, il y a une vérification du certificat, le Online Certificate Status Protocol Service, hein, qui est contacté. Donc, c'est un service chez Apple qui est contacté à chaque fois qu'on clique sur une application. Et puis, ce service-là était non fonctionnel à cause de la nouvelle grosse mise à jour d'Apple, le macOS Big Sur qui vient de sortir. Donc, ça l'a fait crasher les serveurs chez Apple. Et ces serveurs-là ont impacté les utilisateurs de Mac. J'ai trouvé ça vraiment épouvantable. Je vais arrêter de partager mon écran maintenant. J'ai trouvé ça épouvantable. Écoute, ça me laisse penser que j'ai probablement fait le mauvais choix. Alors, alors qui sait, Je te confirme. sera mon choix dans le futur? Je te confirme, Martin, tu as fait le mauvais choix. Non, je trouve ça rigolo que tu amènes ça parce que, ben, en fait, c'est rigolo. Ça l'est, ça l'est pas. En fait, quand tu penses à ça, c'est même assez terrible, cette histoire-là. Là. C'est-à-dire que chaque app que tu roules, il y a une connexion qui se fait avec le serveur du côté Apple. En tout cas, bref. Exactement. Puis Exactement. qu'est-ce qu'il envoie? On ne sait pas. Là, on ne sait pas On ne le sait qu'est-ce qu'il pas. y a en J'ai arrière aucun de ça. contrôle sur l'information qui est envoyée de chacune des applications que j'ouvre. Donc, ouais, j'ai vraiment pas aimé, d'un, l'expérience, mais de deux, de comprendre qu'il y avait ce service-là en arrière, qu'il y avait ces communications-là constamment entre mon laptop et les serveurs d'Apple. Je n'ai pas aimé ça. Donc, je suis pas en campagne de bashing, là, je fais juste partager. Donc, si vous avez un Mac à la maison, si vous avez eu des problèmes hier, je viens de vous trouver la cause du problème. C'était ni votre espace, ni votre mise à jour. C'était bel et bien les serveurs chez Apple. Bref, écoute, il y a Lenovo, on disait, là, ça fait 2 3 semaines, dans le dernier épisode, hein, Martin, Lenovo sorti des laptops Fedora, c'est peut-être le temps. Hein. Faudrait que tu parles à ton boss, dis, regarde, j'ai besoin d'un nouveau laptop plus sécure. Écoute, oui, ça se peut Excellent. très bien. Peut-être qu'il nous écoute en ce moment, là, Ouais, puis qu'il va m'appeler après, puis il va dire à Martin, j'ai une proposition pour toi. excellent. Alors, on salue Juan s'il nous écoute en Hein? passant. Donc, OK, si on y va avec le flow normal. Donc, peut-être avant d'embarquer dans le flow normal, une petite annonce, je l'ai faite, voilà, ça fait 3 semaines, 1 mois déjà, ça passe vite. Hein. Le temps passe vite, ça n'a aucun bon sens. Les semaines sont chargées comme jamais j'ai vu. Bref, annonce, on a 2 postes d'ouvert qui, je pense, pourraient intéresser certains d'entre vous. Je l'avais mentionné la dernière épisode. Je rementionne encore une fois parce on n'a rien de conclu encore avec les candidats actuels. Donc, on a un poste de Senior Application Deployment Solution. C'est un nouveau poste qu'on ouvre pour venir en aide aux architectes OpenShift, faire les suivis avec les clients une fois que l'OpenShift a été déployé. Donc, je vous passe dans le chat le lien du poste si ça vous intéresse. Je pense qu'on regarde plus pour Montréal pour ce poste-là.
si je ne me trompe pas. Tout à fait. Je vais aller. En fait, on veut, si on veut s'aider nos clients dans l'adoption des technologies, si on veut les aider à adopter le monde des conteneurs, le monde d'OpenShift, entre autres, donc on a besoin de spécialistes pour ça, là, qui va ouais. accompagner ces clients-là là, dans leur journey, si je peux m'exprimer en anglais. Bon point. Le second, qui est sur le bord d'ouvrir ou va s'ouvrir très prochainement, je pense que j'avais vendu un peu la mèche là, il y a 3 semaines, mais bref, c'est un deuxième Martin Sauvé, si vous connaissez Martin Sauvé, un deuxième architecte de solutions plus côté AppDev, donc qui a une bonne connaissance en architecture applicative, développement, qui a fait des développements de projets d'envergure, qui connaît bien les containers. Quoique c'est pas un requis, en fait, hein, ça s'apprend, là, on a tous passé par là. C'est sûr que, mais par contre, si vous connaissez les containers, là, OpenShift, c'est sûr que c'est un plus, là, mais c'est pas nécessairement un requis. Donc, si vous avez ces aptitudes-là, ben, c'était pas appliqué. Il n'y a pas de poste annoncé encore. Je devine que ça va s'en venir. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un courriel, là, puis je vous mets en contact avec notre manager. Je trouve ça un peu intimidant là, quand tu dis un second Martin Sauvé, là, qui est notre sommité en termes de app dev. Oui, ouais, donc c'est la barre est haute, effectivement. OK, donc prochain sujet, c'est les événements. Donc, comme je fais à chaque fois, on annonce les prochains événements. Là, je ne vous tannerai pas trop aujourd'hui parce qu'on n'a pas. On a fini avec notre série d'événements. On a eu un paquet de workshops cet automne, un paquet d'événements. Il nous en reste un à Noël, qui est quand même un événement qui est apprécié chez les clients, Martin. C'est le Red Hat Day. Je vais le mettre dans le chat tout de suite si ça vous intéresse de vous joindre à nous. Encore une fois, c'est de façon virtuelle. Hein, on est pris avec ce virus-là qui nous oblige à faire tout en virtuel. Donc, mais la beauté de la chose ici, c'est qu'on va faire un Red Hat Day pour le Canada. En fait, on ne fera pas un Red Hat Day dans chacune des villes comme on est habitué de faire. Donc, c'est un Red Hat Day qui va se faire en ligne le 19 novembre prochain. C'est gratuit, ouvert à tous. C'est des sessions assez haut niveau. Là. Attendez-vous pas à avoir des démos, des dives au Red Hat Day cette année. Je vous dirais le highlight du Red Hat Day. Ce n'est pas la première fois qu'il vient dans nos événements, mais quand même, si vous ne l'avez pas vu, il va y avoir l'auteur du livre, le célèbre livre qui a initié la tendance DevOps, donc le livre de Phoenix Project. Là. L'auteur du livre, qui s'appelle Jenny Kim, qui va venir présenter son nouveau projet, le Nikon Project, qui est un peu la suite de ce qu'il a fait avec le Phoenix Project. Donc, il fait une présentation. Donc, c'est, je pense, le highlight. Bien sûr, on va parler de tout ce qui se passe dans le marché du cloud, Martin, des containers, ouais. Bien sûr. Là, on va vous rafraîchir là-dessus. Donc, je vous invite à joindre à nous. C'est le 19 novembre prochain. Ça commence, là, j'ai pas les heures exactes, mais je crois que c'est de 11h à 4h. Il y a 4 ou 5 présentations principales. Là. Donc, il faut s'inscrire et c'est gratuit encore une fois. Oui, je pense que le mot d'ordre de du Red Hat Day de cette année là, ou de cette mouture-là, c'est vraiment l'adoption. Comment, qu'en tant qu'équipe, c'est quoi l'impact sur mes processus? C'est quoi l'impact sur ma business? Je pense que ça va parler beaucoup business parce qu'on parle souvent, on va s'adresser à des gens techies, on va tomber vite dans le technique, mais on oublie tout l'impact que ces nouvelles technologies-là ont sur l'ensemble de notre organisation. Fait que ça peut vraiment grandement aider votre organisation, vos managers, les décideurs chez vous. Comment on peut se transformer en tant qu'entreprise là, pour bien commencer notre transformation. Excellent, merci Martin, précision. Prochain sujet, c'est les nouvelles et trouvailles. Quelques petites nouvelles et trouvailles pour vous cette semaine. Donc, on va commencer avec l'Ansible Fest, Martin. Ça a eu lieu il y a quelques semaines. Je n'ai pas la date, là, mais en tout cas... Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on n'en a pas parlé. On en a parlé au Ansible Meetup, par contre. Ceux qui étaient au Ansible Meetup, vous avez entendu parler un petit peu de ces annonces-là, mais on va faire juste un petit récap des deux grandes annonces qui ont été faites au Ansible Fest. Fait que Martin, je te laisse avec ça. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, Ansible Fest là, qui a eu lieu en octobre, là, je pense que c'était le 13-14 octobre, quelque chose comme ça. Oui. En passant, si vous n'êtes pas enregistré, vous n'avez pas eu la chance, comme moi, parce que j'étais tellement débordé cette semaine-là, je n'ai pas pu y participer. Par contre, je me suis enregistré par après. Et vous pouvez avoir accès à tout le contenu qui est enregistré. Oui. Donc, il faut aller revisiter les sessions. C'est vraiment super intéressant. Deux trucs qu'on aime porter à votre attention. Private Automation Hub. Ben, tu sais, si je peux commencer avec le Automation Hub, c'est quoi? C'est dans le fond un regroupement de collections Ansible. Hein? Les collections Ansible qui vont regrouper plusieurs modules, plusieurs fonctions
qui sont faciles à utiliser après ça pour faire de l'automatisation. Une collection, ça peut être, exemple, un Cisco IOS. La collection Cisco IOS va contenir des dizaines et des dizaines de modules pour configurer différents éléments d'un exemple Cisco IOS. Même chose pour AWS, même chose. Donc, on a un écosystème de partenaires qui est très grand. Et ça, c'est le Automation Hub. Maintenant, vous, en tant qu'entreprise, vous allez vouloir développer vos propres collections basées sur vos besoins, vos propres modules et rôles. Donc, maintenant, vous allez pouvoir créer votre propre registre de collection, dans le fond, votre Private Automation Hub dans votre entreprise de façon privée, un peu comme on le fait avec un registre de conteneurs privé, vraiment la même chose. Donc, c'est super intéressant. C'est à la sortie de Ansible Fest. C'est pas disponible encore maintenant. L'annonce a été faite. C'est quelque chose qu'on va voir dans les prochains mois, en tout cas, bref, dans les prochaines moutures d'Ansible. Deuxième point, super intéressant. Si on vous a pas parlé de notre offre Advanced Cluster Management, OK, pour OpenShift, qu'est-ce que c'est? C'est, bon, de plus en plus, on parle de hybrid cloud, on parle d'avoir d'avoir une infrastructure de conteneurs on-prem, dans le fond, dans notre propre infrastructure. On parle d'avoir notre plateforme de conteneurs aussi in the cloud. On veut être dans AWS, dans Azure. On ne veut pas être pris avec un cloud en particulier. Donc, on se retrouve avec plein de clusters à gauche, à droite. On veut s'assurer d'une policy. On veut s'assurer de ce qu'on appelle une compliance à travers ces clusters-là. Donc, ACM s'occupe de ça, s'occupe de s'assurer que tous les clusters sont bien configurés, respectent toutes nos policies d'entreprise. Mais maintenant, l'addition, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, OK, c'est bien de pouvoir déployer des applications de façon consistante dans les clusters, mais des fois, dans un déploiement, j'ai une dépendance à un élément dans mon réseau, un élément dans mon infrastructure TI. Alors, on a joint Ansible à ACM. Donc, je peux vraiment créer un flow de déploiement de mon service de bout en bout, du conteneur et même jusqu'à la règle de coupe-feu, si je veux, ou le peu importe le système que je dois modifier en fonction de mon application. Donc, vraiment, belle amélioration du côté ACM. Écoute, Martin, on a une question, Ansible. Je n'ai pas vraiment la réponse. Peut-être que toi, tu l'as, sinon on fera des vérifications. Dapicède qui nous demande si une intégration de prévue repo Git et collection Ansible via requirement.wml. Oui. En fait, je... Attends un petit peu, tu me laisses. Oui, ça marche, OK. Oui, ça fonctionne. En fait, ça va télécharger les collections tout seul. Toi, tu fais peut-être référence au module parce que j'ai fait un test récemment. Puis, il y a un fichier collections.yaml que Ansible Tower est capable d'interpréter automatiquement. Il va aller télécharger les collections qui sont dans le repo Git automatiquement. Mais on peut revenir sur, oui. Là-dessus. Okay. Peut-être un peu plus tard ou peut-être en privé, là. Oui. Si tu veux le... En fait, oui, je connais bien Dapicède. Je sais très bien c'est qui. On pourra le contacter par la suite. Là. Fait qu'on va t'en revenir, Dapicède, avec une réponse plus précise là-dessus. Mais c'est une bonne question, exact. Merci. Oui, c'est une excellente question. Puis comme je te dis, j'ai une partie de la réponse, mais je ne sais pas si ce que moi j'ai testé, que j'ai vu qui fonctionnait, je ne sais pas si ça l'adresse à 100% le point que tu vois avec le requirements là, qui est propre à Python. Okay. On regarde ça ensemble. Excellent. Donc, autre nouvelle, Martin, dans le monde OpenStack, même si OpenShift prend toute l'attention, OpenStack continue d'évoluer, continue d'avancer, puis je pense qu'on a fait une belle évolution là, dernièrement avec OpenStack. Oui, tout à fait. En fait, comme tu dis, OpenStack, c'est loin d'être mort. Au contraire, je veux dire, des VNF, là, dans le monde telco, là, c'est très, très populaire. Pourquoi c'est populaire? À cause de la stabilité, à cause du multi-tenant, hein, le multi-usager, multi-abonné. C'est une plateforme qui scale, hein, multi-site qui scale. Et là, on atteint encore des limites qui sont surprenantes à chaque fois. Là, donc, dans les dernières limites, on a atteint jusqu'à 700 nœuds, okay? Sachant que chaque nœud peut rouler des dizaines, voire des centaines de VM. Donc, imaginez le nombre de machines virtuelles qui peuvent être gérées par ma plateforme OpenStack. Donc, avec la version 16.1, c'est quelque chose qui a été testé par nos ingénieurs. Plus de 700 nœuds. C'est vraiment énorme. Ouais, donc, en fait, c'est la capacité de tester, mais la capacité théorique
peux monter encore plus haut que ça, là, mais c'est Oui, vraiment le QA oui. qu'on veut donner. On veut s'assurer que c'est stable. À 600 nœuds, là, c'est énorme, là. Exactement. Puis OpenStack, tu sais, peut-être un petit rappel sur qu'est-ce que c'est. Vraiment, c'est une plateforme d'orchestration, en fait, infrastructure as a service. Tu sais, quelqu'un qui cherche un IaaS, c'est OpenStack. Il n'y a pas vraiment d'autres offres que OpenStack. Il y en a qui vont... Bon, il y a des compagnies là, qui ont fait un paquet d'artifices autour de leurs produits forts pour arriver à dire que c'est un IaaS. Mais Red Hat OpenStack, c'est vraiment a été fondé avec ça en tête. Et puis, les composantes, la modularité de chacune, la modularité de la plateforme, chacune de ces composantes-là qui ont des responsabilités très, très précises. Hein? Le concept de microservice, c'est pas d'hier. OpenStack a été basé sur ce concept-là. Le concept d'API First, OpenStack est basé là-dessus. Donc, c'est ce qui nous permet, avec la modularité, puis l'architecture, comment qu'elle était, c'est ce qui nous permet d'arriver à ces chiffres-là. Puis, honnêtement, je serais pas surpris que les chiffres continuent d'augmenter avec... avec en les prochaines définitive. versions puis les optimisations qu'on y fait d'année après année. Bon, excellent. Excellent. Sinon, dans les autres nouvelles, tiens, Nvidia, j'ai une nouvelle ici sur Nvidia. Je sais qu'il y en a plusieurs qui utilisent les cartes vidéo d'Nvidia. C'est jamais facile en Linux de faire fonctionner comme il faut les drivers. Quoique Nvidia, généralement, ça se passe bien. Donc, Nvidia, les drivers d'Nvidia se mettent au goût du jour un petit peu. Ils passent en application stream. Donc, vous savez, avec les dernières versions de Fedora, les dernières versions de RHEL, on a le concept d'application stream, donc la modularité, en fait, avec Yum, en fait, qui est disponible maintenant avec les drivers Nvidia. Donc, on peut... Tiens, je vais mettre l'article, hein, on va regarder l'article ensemble. La procédure est là, la procédure ne semble pas si simple que ça. Je vais passer en plein écran juste pour vous montrer. Donc, ici... Je pense que c'est bon. Je ne sais pas si les gens voient mon desktop. Je pense que ça n'a pas l'air de marcher. Oh. OK, on l'a ici. Excellent. Excellent. Donc, voici l'article qui explique comment on fait pour utiliser les drivers avec la fameuse modularité, l'application stream avec NVIDIA. Ce qui fait qu'on risque, peut-être que c'est un signe, on risque d'avoir des drivers rafraîchis plus rapidement. Avec NVIDIA, on risque, on va voir avec le temps. Là, on a vraiment la documentation ici, comment faire. J'ai pas essayé encore. J'ai une carte NVIDIA dans mon laptop. En fait, je pense que j'avais pas installé les drivers NVIDIA parce qu'il y avait une problématique avec le fameux desktop, le Wayland avec Fedora. Donc, il me semble que j'avais eu une problématique avec ça. Là. C'est pour ça que j'ai pas installé les drivers. Finalement, j'ai gardé les drivers libres parce qu'il y a la version libre des drivers NVIDIA. Mais bon, bref. Donc, vous montrez que NVIDIA se met au goût du jour avec une nouvelle façon d'installer les drivers. Puis ça, il faut dire aussi, là, dans le même ordre d'idée, Red Hat et NVIDIA, en fait, c'est deux grands partenaires. Hein. On travaille vraiment conjointement dans l'élaboration de drivers, mais pas juste de drivers, mais d'outils aux développeurs. Hein. Tu sais, tout ce qui est machine learning aujourd'hui, tout ce qui est intelligence artificielle, on a besoin de consommer du GPU. NVIDIA, qui est carrément un grand maître dans le domaine. Donc, autant OpenShift, OpenStack, peu importe, là, dans le fond, l'outil que Red Hat fournit, on est capable d'aller chercher ces GPU-là, puis même d'aller chercher aujourd'hui les virtuels GPU. Donc, on est capable de couper le GPU en petits morceaux, puis le donner à différents processus. Là. Ça va très, très loin. Là. Est-ce que tu as déjà fait ça, Martin? Est-ce que tu as déjà roulé des containers dans un GPU? Non. Non, écoute, c'est par faute du coût que ça peut coûter une instance avec GPU. Non, effectivement. Je n'ai pas essayé encore, mais effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment essayer. Écoute, on essaiera ça une prochaine diffusion, montrer ça aux gens. Je pense que ça pourrait être cool. Il y a quand même énormément de puissance de calcul dans un GPU. Aujourd'hui, les GPU, c'est des ordinateurs dans des ordinateurs. Oui. Donc, c'est assez impressionnant. Gardons ça en note peut-être pour un prochain épisode. Certainement. OK, dernière nouvelle, dernière petite trouvaille pour vous. En fait, c'est une annonce qu'on a faite chez Red Hat. Martin, aimes-tu ça lire de la documentation technique? Aimes-tu ça chercher quelque chose dans la documentation technique? Non, je déteste ça. Moi, je suis plus du genre à essayer là, jusqu'à temps que tout casse. Là. Exact. Donc, écoutez, non seulement on fait évoluer nos produits chez Red Hat, mais on fait évoluer notre documentation. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont porté attention avec
la nouvelle version de Red Hat Enterprise Linux 8, quand vous allez sur le site de documentation, regardez ici, on a une nouvelle expérience pour la documentation RHEL 8.3. Donc, si on clique sur Try It Now, et là, je suis en anglais, je l'avais de votre côté. Si vous êtes en français, vous allez l'avoir en français. On a un petit peu revampé l'expérience de documentation technique, rendre ça un petit peu moins monotone, nous empêche, ben, éviter qu'on ait à creuser, puis perdre beaucoup de temps à trouver le sujet qu'on cherche. Parce que souvent, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens cherchent des thématiques plutôt que de lire toute la documentation. Donc, on a, en fait, avec la nouvelle expérience de documents chez Red Hat, on offre maintenant des thématiques. Lorsque vous arrivez sur le site de documents, oui, vous allez avoir accès encore au livre, à la documentation classique, mais en plus, vous avez dans le haut des thématiques. Donc, par exemple, ah, c'est cool, j'ai entendu parler de BuildDoc. Comment je fais pour construire une image REL pour mon environnement, pour Azure ou Amazon? Ben, dans le passé, il fallait creuser dans la documentation pour trouver ça. Maintenant, on a une thématique en première page ici, comment créer une image avec la web console. Ou encore, on parle beaucoup, Martin, tu fais beaucoup de démonstrations avec la console web de RHEL 8. Il y a encore beaucoup de monde qui ne l'utilise pas, qui ne savent pas comment l'activer. Normalement, il faut creuser dans la doc quelle part qu'il faut ouvrir, et ainsi de suite. Maintenant, on a une thématique dans la documentation qui nous amène directement à comment partir, démarrer avec la console web. Donc, on a voulu rendre, en fait, la documentation moins monotone et plus dynamique. Moi, j'adore le concept. J'ai hâte de voir où on va aller avec tout ça. Mais je pense que c'est de bonne augure. Je suis content de voir que nos gens du côté documentation pensent à faire évoluer la façon dont on livre notre documentation. J'espère bien voir cette technique s'appliquer à OpenShift. Effectivement, OpenStack, OpenShift, ça va être tout un chantier, effectivement. Ouais. OK, super. Donc, avant d'aller au sujet principal aujourd'hui, parler un petit peu des dernières sorties. Donc, je vais juste changer le sujet ici à l'écran. Donc, pour les gens qui viennent d'arriver ou qui nous suivent, qui nous écoutent en rediffusion. Donc, les dernières sorties... Depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, il n'y a pas eu des tonnes, mais il y a quand même eu des gros morceaux qui sont sortis. Donc, le 27 octobre dernier, il y a eu Fedora 33. On en a déjà parlé, Martin, dans des émissions précédentes. Je dirais le gros changement, c'est vraiment le système de fichiers. Pour les workstations, on fait attention, pas pour les serveurs, mais pour les workstations qui passent en BotterFS. Satellite 5.8. En fait, je ne veux pas creuser ça. On en a parlé un petit peu, Martin, aussi, mais on a eu le rug, voilà, deux semaines environ. Red Hat User Group et mon collègue Dan a fait une excellente présentation sur le sujet. Donc, je vais plutôt mettre dans le chat le lien vers le vidéo, parce qu'on a enregistré le vidéo du rug. Donc, si vous avez manqué le Red Hat User Group, il est accessible. J'ai eu des petits problèmes techniques au début. Et même avec l'interface, Martin, BlueJean Prime, je me suis aperçu à la toute fin qu'on était tous en vidéo, alors que ça aurait dû juste être le présentateur. Donc, petite erreur. Dommage. Et pourtant, j'avais vraiment cliqué sur le bouton, mais j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné la première fois. Bref. Sinon, on a eu OpenShift 4.6 qui est sorti aussi le 27. Donc, le 27, le trois grosses sorties le 27 octobre, là, Fedora, Satellite et OpenShift 4.6. Martin, encore une fois, on avait parlé déjà des nouveautés, mais toi puis moi, on a eu la chance de l'expérimenter. La journée 1 que c'est sorti, on a eu des petits problèmes. On s'est repris quelques jours après, ça s'est bien passé. Bon rafraîchissement de l'interface. Moi, je trouve ça cool, le travail qui a été fait dans l'interface. Un peu plus de progress bar. Il y a des quick start aussi quand on veut démarrer quelque chose qu'on n'a jamais touché encore avec OpenShift. Par exemple, les pipelines Tekton, ben, il y a un quick start maintenant qui vous montre comment faire. Donc, je trouve qu'on est en train de rendre OpenShift consommable beaucoup plus pour n'importe qui. Oui, ben, puis moi, vois-tu mon coup de cœur, là? 4.6, là, mon coup de cœur au niveau des améliorations. La fameuse interface des mises à jour, des updates. Oui. Incroyable. Vrai. Ils ont vraiment fait, je peux même le montrer de vite fait tantôt, une barre visuelle avec tous les points d'update dans le temps. On clique sur le petit point, exemple, 4, 6, X, puis on clique dessus, ça nous donne le release note associé à la mise à jour. Si on décide d'y aller, on clique sur le petit point, on fait update, c'est magnifique. Vraiment, là, belle amélioration de ce côté-là. Excellent.
Dernière petite nouveauté, le 29 octobre, quelques jours après ces grosses sorties-là, encore une autre grosse sortie, REL 8.3, qui a été présentée au Rogue. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Encore une fois, si vous voulez voir, Pierre Blanc a fait une excellente présentation, une update en fait sur REL 7 et REL 8, qui inclut les nouveautés de REL 8.3. Je tiens à vous mentionner, là, sans vous donner l'information complète, on est sur le point de relâcher une annonce importante. Avec REL 8.3, quelque chose qui n'a pas été présenté dans le roadmap encore. Donc, probablement, Martin, on va être capable d'en parler à la prochaine épisode, mais surveillez les annonces Red Hat. Il y a une annonce assez importante là, avec REL 8 qui s'en vient. Donc, je voulais juste vous teaser, vous donner le goût là, de suivre ce qui se passe avec REL 8 aujourd'hui. C'est bien réussi, Oui, hein? OK, sujet principal aujourd'hui, Martin, on parle d'applications serverless et application serverless roule bien sur OpenShift. Quel addon! Quel addon! Donc, on va utiliser OpenShift, mais il faut s'entendre, ce n'est pas un requis d'avoir OpenShift, mais c'est sûr que c'est un bel ajout, c'est une belle combinaison, application serverless avec OpenShift. Fait que je te laisse introduire les gens à ce concept-là. Tout à fait. Si tu me permets, je vais partager mon écran tout de Oui, suite. tu peux y aller. Donc, Serverless, peut-être une petite introduction à qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Okay? Traditionnellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir un conteneur. Donc, on a migré notre application en conteneur, on est content, parfait. On est aligné avec les concepts de microservices et tout. Mais mon conteneur, il est pas attaché à des événements ou autre. T'sais? Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer dans mon application? Ou l'intégration de mon conteneur dans ma plateforme n'est pas basée sur qu'est-ce qui se passe autour de mon service. Puis c'est un peu ce que Serverless veut aller accomplir. Dans le fond, on veut plutôt se diriger vers une approche qu'on appelle event-driven. Donc, dans le fond, on a une architecture qui est basée sur des événements. Donc, je veux que mes conteneurs réagissent en fonction des événements. Puis là, on appellera même plus ça conteneur. On va vraiment appeler ça comme une fonction, okay, ou un vraiment microservice qui va réagir en fonction d'un événement. Puis un événement peut être, en fait, un appel REST. Hein? J'appelle un service REST, j'envoie des paramètres, je pars le processus en arrière-plan, j'exécute la fonction, après ça, j'ai terminé et le processus se ferme. Donc, le premier avantage va être principalement au niveau d'utilisation des ressources. Je vais utiliser uniquement ce que j'ai besoin au moment où ce que j'en ai besoin. Donc, si j'ai une centaine de clients qui essaient d'accéder à mon application, ben, pas de problème. On va partir 10, 15, 20 pods, hein, 20 instances de mon service pour servir tous ces clients-là. Mais quand ces clients-là sont partis, ils ont terminé avec mon application, ben, je veux juste tout simplement ne plus consommer de ressources. Je n'ai plus besoin. Donc, une des fonctions de Serverless, c'est d'aller faire le scale to zero, qu'on appelle. Donc, je vais complètement détruire toutes mes instances de façon dynamique. Maintenant, je vais parler d'un appel REST, mais de plus en plus aussi dans les architectures d'applications modernes, on va aller par message bus. Hein? J'ai parlé d'événements. Donc, on va avoir un gros message bus, exemple Kafka, puis on va aller mettre des événements sur le bus. Okay? Peu importe ce que c'est, une transaction à effectuer, ça pourrait être une image à modifier, ça peut être un document à analyser. Ben, j'envoie l'information sur un message bus et j'ai mon contrôleur serverless qui va comprendre que ce message-là s'adresse à un service en particulier. Donc, je vais partir une instance de ce service-là pour faire le processus. OK? Fait que d'un côté graphique, si je m'en vais ici, puis je veux pas vous pas prendre tout votre temps avec un deck, mais juste pour vous mettre un peu en contexte, vous voyez ici, j'envoie une requête REST, j'envoie ça à mon service Knative. Okay, mon service serverless. Et ce service-là, vous voyez, j'ai aucun pod qui roule. Donc, aussitôt que la requête va arriver, le service va dire que okay, j'ai besoin d'un pod pour répondre à la requête de ce client-là. Okay? Mais si maintenant j'ai plusieurs clients qui arrivent en même temps, ben pourquoi pas partir plusieurs pods pour la durée de cette transaction-là et quitte à les supprimer par la suite. Donc, dans les faits, ça ressemble à quoi? Je vais fermer ça ici. Encore une fois, dans OpenShift, avant d'aller là, je vais vous montrer un peu l'installation et l'intégration. Donc, comme vous l'avez deviné, Red Hat a intégré, hein, vous savez ce qu'on fait, hein, Red Hat, on intègre des projets open source, on contribue aux projets open source,
on les intègre ensemble, on intègre les technologies qui font du sens ensemble et on en crée ce qu'on appelle un produit. Hein, on prend tous ces projets-là, on crée un produit qui est consommable aux entreprises. Donc, ici, comment je peux activer serverless dans un cluster OpenShift? Je m'en vais dans l'opérateur Hub et je cherche pour... Michael, qu'est-ce que je cherche? Serverless. Serverless. Donc, je cherche pour serverless et voyez le petit opérateur. Dans mon cas, il est déjà installé. J'ai cliqué sur Install. J'ai choisi les options par défaut. J'ai fait Install en fait deux clics. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les composantes de contrôle ont démarré sur mon cluster. Et en plus, j'ai eu l'intégration dans mon UI. Donc, j'ai un nouveau panneau qui apparaît automatiquement pour serverless. Donc, où je peux voir mes services, mes révisions et mes routes. Donc, en quelques... Martin, ça a pris quoi? Quelques secondes, déployer? Oh, oui, donc... c'est vraiment très rapide pour... Je te pose une colle, là. Tu essaies de faire pareil sans les opérateurs. D'après toi, ça peut prendre combien de temps? Ben, écoute, là, regarde, on va aller ici, là, on va chercher sur le net, là, OK, native, voyons, OK, native, puis, bon... allons-y. Ça, c'est un Google Ad. Là. Il est bloqué par mon truc. Knative.dev. Bon, ton payroll. Il est bloqué par ton payroll. Je connais ça. Ouais, mon payroll. T'as vu ça passer. Donc, écoutez, installing Knative, là, vous pouvez chercher les différents guides là, puis vous amuser. Donc, il y en a pour plusieurs heures, peut-être plusieurs journées même. Ben, à quand je scroll ça là, puis que je compare à ce que moi j'ai eu à faire, c'est vraiment. Donc, c'est la beauté. Hein, on revient à ces opérateurs. Puis juste avant le Twitch, j'étais avec un client. On a eu une introduction un peu à ce qu'on fait avec OpenShift, OpenShift 4. On a parlé, on a présenté les opérateurs, puis on a eu beaucoup de questions sur les opérateurs. Là, c'est vraiment une fonctionnalité d'OpenShift 4, même de Kubernetes, en fait, qui sauve un temps énorme, là, un temps fou. Ah, c'est fou, là. Puis, tu sais, là, on parle de serverless, là, parce que c'est le sujet principal, là. Mais là, c'est sûr qu'évidemment, il a fallu que je joue un petit peu avec Kafka, chose que je n'avais pas eu le temps de m'attarder. C'est incroyable, là. C'est vraiment, j'installe l'opérateur, je veux un Kafka, je dis le nom de mon cluster, puis Kafka est installé. Il y a des gens qui vont passer des mois en entreprise à travailler sur l'instanciation et la gestion d'un cluster Kafka, alors que ça se fait tout via opérateur. Okay, bref, si on continue dans le cœur du sujet, c'est ça, parce que là, on s'excite, là, c'est le fun comme technologie. Mais maintenant, je vais retourner dans le développeur console. Puis, vous voyez ici, j'ai créé une application .NET Core que j'ai déployée dans mon cluster OpenShift. Okay? Cette application-là, vous voyez ici que c'est un service Knative. On voit le petit K ici, KN, là, qui me dit que mon application est en mode Knative. Et on voit ici que je peux contrôler différentes révisions de mon service. Donc, dans mon cas, j'utilise toute la même révision. Et vous voyez ici le nombre de pods que j'ai actuellement qui est à zéro. Okay? Donc, si je prends cette URL-là et je fais simplement un curl sur l'URL, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez en arrière, j'ai des pods qui vont partir. En fonction de la configuration de mon service Knative, je peux dire, OK, ben moi, je veux tant de pods dépendant du nombre de clients. Okay? Avec un appel REST, un petit peu difficile à simuler parce que là, j'ai comme juste un client. Je n'ai pas l'Apache Benchmark là, pour faire le test de performance. Mais bref, vous voyez ici que j'ai scalé à deux pods. J'ai voulu répondre rapidement à la demande. Là, j'ai un pod qui vient de se terminer parce que là, je ne suis plus en train d'envoyer des requêtes. Et vous voyez le deuxième pod qui se termine. Si je relance une autre requête, vous voyez, j'ai un troisième pod qui repart pour fournir mon service. Okay? Vous voyez, ça part quand même assez rapidement compte tenu du fait que c'est un .NET Core. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Quarkus tantôt, puis pourquoi c'est important, parce que Quarkus, on va atteindre des vitesses qui sont vraiment supérieures au niveau du le temps d'instanciation de notre conteneur. Mais sans vendre la mèche, ça vous donne une idée de pourquoi le temps de démarrage est si important. Donc, ça, c'est un use case où j'ai une application simple avec un REST, je veux scaler up, scaler down et scaler jusqu'à zéro, comme dans ce cas-ci. Maintenant, vous demandez, mais c'est-tu compliqué à configurer? Parce que là, c'est vrai, j'ai le Knative, j'ai le Knative Service, hein? J'ai des routes, j'ai des révisions, puis tout ça, bien évidemment, vous l'avez deviné, hein, c'est tout des YAML.
Donc, est-ce que vous avez à apprendre tout ça? Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on se lance à fond dans la technologie, on a un certain apprentissage à faire. Par contre, si on veut juste démarrer avec la technologie, je peux tout simplement prendre un guide. Vous voyez mon application .NET Core? Mon application .NET Core, elle a aucune notion de Kubernetes ou de Docker ou de container, de quoi que ce soit. Je viens faire un clone. Ici, je prends l'URL pour le cloner. Je m'en vais dans OpenShift. Je fais add from git. Je plante mon git ici. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, OpenShift a détecté. Il a dit, ah, bien, sur ces git-là, j'ai trouvé du .NET Core. Parfait. Donc, on va falloir compiler l'application .NET Core et on va lui donner un nom. Fait que je vais créer une application. Exemple, app Twitch. Oups. App Twitch. Et là, regardez. J'ai le choix. Est-ce que je fais un déploiement? Un deployment config qui est plus spécifique à OpenShift et ou un Knative Service. Donc, si je clique sur Knative Service, automatiquement, OpenShift va déployer toutes les ressources pour moi. Je vais faire Create. Il va me créer une route. Il va, là, vous voyez ici, il a déjà créé le carré ici, dans le fond, le Knative Service, les révisions. Et qu'est-ce qui se passe en arrière-plan? On est en train de builder, donc on est en train de télécharger les sources et de builder. Mais ça, c'est un processus qu'on a déjà montré. Mais je voulais juste montrer rapidement comment c'est facile de commencer avec Knative, puis du moins explorer la technologie. Donc, pas besoin de savoir quoi que ce soit au niveau de cette technologie-là pour au moins l'essayer. Puis après ça, une fois qu'il est là, moi, ce que j'aime, en tout cas, puis comme tantôt, je l'ai dit, hein, moi, j'aime pas ça lire la doc. J'aime ça le voir là, puis après ça, je clique dessus, puis après ça, je m'en vais explorer mes YAML, puis là, j'essaye des affaires, puis là, c'est là que je commence à chercher sur Internet. Mais ça, c'est propre à chaque personne, mais une fois que le squelette est là, c'est plus facile de continuer. Donc, ici, j'ai un use case où j'atteins mon service à partir d'une URL, mais j'ai parlé tantôt du boss Kafka. Peut-être que j'aimerais ça scaler en fonction d'événements sur mon message boss. Donc, regardez ici. Si je m'en vais dans ma console, dans ma topologie, okay, j'ai monté un cluster Kafka. Okay, le tout en deux clics avec les opérateurs. Et j'ai monté un service qui est native ici. Mais regardez la source. La source, c'est un topic Kafka. Okay? Donc, comment ça fonctionne? Si je le sais ici de côté, comme ça, pour qu'on ait un beau visuel, je vais cliquer sur mon service ici. Parfait. Vous allez voir, mes pods sont en terminating. J'ai aucun pod sur ce service-là. Mais qu'est-ce qui va déclencher la création des pods? Ça va être plutôt des messages. Donc, pour faire des messages, j'ai un petit pod qui s'appelle un Kafka Spammer. Donc, ça ne sera pas là. On va juste sortir la liste des pods. Donc, mon Kafka Spammer, je vais loguer sur mon Spammer. Okay? Puis ça, ça donne, c'est une petite application Quarkus qui, quand je fais un curl localhost 80-80, okay? Le chiffre que je mets ici dans l'URL, c'est le nombre de messages que j'envoie sur mon boss Kafka. Donc, quand je fais ça, là, évidemment, j'avais mis un accent aigu tantôt, sans faire par exprès, 80/1. Donc, j'ai envoyé un message sur mon boss. Vous voyez ici, j'ai un conteneur qui est en création. Mais dans la vraie vie, ça se peut que j'ai beaucoup plus de messages que ça. Je peux en avoir peut-être 100. Hein? Ou je pourrais en avoir peut-être un autre batch, 200. 200 messages qui arrivent. Mais regardez ici. J'ai des conteneurs qui se créent en fonction du load que j'ai. Donc ici, les pods, on en voit juste 3. Mais en réalité, j'en ai 13. Si je fais View All, tous les pods, vous voyez, tout mon service qui est native, qui est en train d'instancier, est en train de gérer tous les messages que j'ai envoyés à travers mon boss Kafka. Quand ils ont fini de traiter ces messages-là, ils se terminent et laissent les ressources à un autre. Donc, si je le refais, vous allez voir, je vais avoir plein d'autres conteneurs qui vont se créer et le tout en fonction du boss de message. Okay. D'où là la raison, pas la raison, mais d'où là la belle combinaison Knative OpenShift. Ben, tout à fait. Tout à fait, parce que là, on a l'intégration complète. Hein? On a l'auto-scaling
qui embarque au travers de ça, d'OpenShift. Merveilleux. Oui. Merveilleux. Puis moi, je trouve aussi, tu sais, bon, c'est sûr que ceux qui sont développeurs aiment beaucoup avoir le code, les sysadmins veulent avoir l'infrastructure, mais je pense que le UI, quand vient le temps de diagnostiquer notre application, troubleshooter, essayer de comprendre, je pense que c'est vraiment important d'avoir un visuel de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est attaché à quoi, tu sais, comme dans ce cas-ci, je vois bien là, ma source Kafka, je peux aller voir cette ressource-là, puis aller voir les détails, là, j'ai comme tout sélectionné, donc aller voir les détails, puis qu'est-ce que ça va me donner comme détail, ça me dit, ben, bon, je veux me connecter à ce serveur Kafka-là, et je regarde ce topic-là, c'est pas plus compliqué que ça, pour commencer. Fait que dans le fond, je pourrais créer un deuxième topic, je recrée un autre Kafka source, et puis je vais l'attacher à mon nouveau service. Donc, vraiment simple d'utilisation. Est-ce que j'ai le temps, deux secondes, Michael, de parler de Quarkus? Parce que je l'ai effleuré tantôt. Là. Vous avez vu comment les containers, ils partent, c'est rapide, puis le dynamisme derrière ça. Écoute, Martin, absolument, il nous reste un gros 4 minutes. Donc, vas-y, on va essayer de respecter le 45 minutes. Oui, effectivement, Quarkus, c'est un drôle de nom, ça, quoi. Quarkus, c'est drôle. Ouais, mais ce qui est encore plus drôle, c'est, regardez ça ici, hein? Supersonic, subatomique, j'adore. On a des gens au marketing qui se sont gâtés. Là. Ah, ils sont forts, ils sont très forts. J'aimerais être aussi fort. Écoute, en marketing, c'est extraordinaire. Mais c'est pas totalement faux. Parce que quand on regarde à quel point ils ont réussi à optimiser Java, contrairement à ce qu'on connaissait, s'il y a des gens sur la ligne qui font du Spring Boot, c'est incroyable. C'est un framework qui est parfait. En fait, ça nous fait sauver un temps fou dans le développement Java. Et moi, je parle, pour avoir effleuré un peu Java, là, je suis pas un développeur Java de profession, mais de ce que j'ai effleuré, c'est vraiment bien. Mais Quarkus vient vraiment relever la barre et en plus d'être plus facile à écrire en termes de code, et plus simplifié, il y a beaucoup moins de code à écrire pour arriver à notre but, hein, parce que le but souvent, c'est quoi? De créer un web service ou d'avoir un service qui s'attache à un boss, un message boss. Là, je pense que c'est 80% des use cases. En plus d'être plus facile à écrire, regardez ici l'utilisation de mémoire, la différence qu'on a entre une application traditionnelle, une Quarkus qui utilise JVM, parce qu'on peut avoir une application qui est optimisée avec Quarkus, mais qui continue d'utiliser une JVM. Mais la grande, grande, grande particularité, c'est qu'on peut compiler l'application Java, l'application Quarkus, pour être native. Je n'ai plus besoin de la JVM pour partir mon application. Et là, j'obtiens, regardez ici les temps réponse, 0,016 secondes pour démarrer une application. Dans un monde serverless, c'est incroyable. C'est ce qu'on cherche. C'est vraiment ce qu'on cherche. Puis aussi, quand on pense à notre infrastructure là, qui grossit parce qu'on vient ajouter des microservices à plus finir, ben imaginez la réduction de coûts sur notre infra parce que finalement, les applications qui prenaient, mettons, je ne sais pas, en mémoire ou en CPU, peut-être 2 gigs de mémoire puis au moins un CPU juste pour démarrer Spring Boot, à cette heure, peuvent prendre des millicores puis des mégabits de mémoire. Donc, on peut augmenter notre densité sur notre cluster. Okay. Et là, avec mes deux dernières minutes, ou ma dernière minute, parce qu'on va falloir closer, regardez ça. Si je regarde mon code Quarkus, bon, c'est du Java traditionnel. Regardez, j'ai même pas de main. Hein. J'ai même pas à écrire de main. Je fais juste créer ma ressource comme ça. Je dis mon path. Qu'est-ce que ça consomme? Qu'est-ce que ça produit? J'écris ma logique. Merci, bonsoir. C'est tout ce que j'ai à faire. Okay? Quand je compile ça, ça me fait mon REST API. Ça, c'est une des beautés de Quarkus. Deuxième beauté, application.properties, ceux qui font du Java, regardez ça. Je peux à même mon application properties indiquer dans quoi je veux déployer mon application. Donc, la déployer directement dans OpenShift. Et en plus, je peux lui dire, ben, quand tu vas la déployer dans OpenShift, fais-moi donc un Knative Service. Puis, pour que wow. ça fonctionne, ouais, wow. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est, mettons, YouTube Tenkel, Project, oui, vas-y. Twitch. Tiens, Twitch 32, je suppose que je suis rendu dans mes, dans mes tests. Twitch 32, ici, on va le mettre dans Twitch 32, OK? Puis je fais MVN
clean package. Enter. C'est tout ce que j'ai à faire. Fait qu'est-ce qui va se passer? mon Maven va tout simplement builder le projet, va tester le projet. Il va créer un build config dans OpenShift, va créer l'image stream, il va créer le Knative Service. Bref, aussitôt que ça, c'est terminé, que le processus qu'on voit actuellement est terminé, j'ai mon service Knative qui est exposé avec ma route. C'est vraiment génial. Wow, j'ai quasiment envie de commencer à apprendre à coder en Java, ça a l'air simple. c'est ça. C'est drôle parce que si j'ai des anciens collègues qui m'écoutent, ils vont me dire « Ouais, mais toi, t'es un grand fervent de Python parce que Python, c'est facile. » Ben, c'est vrai. Avec Python, je partais une application Flask, ça me prenait 4 lignes. Et là, c'est drôle, je suis capable de faire la même affaire en Java, ça me prend quelques lignes, puis je peux partir. Fait. Peut-être que finalement, on va réussir à me convertir. C'est bien. Hey, Martin, tout c'est super le fun. Comme le Mac. Ouais, écoute, comme le Mac, avec un beau PC fait avec Fedora. Martin, c'était super. On est dans les temps. Très content. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui avec nous. La prochaine épisode, on devrait en faire une, Martin, avant le temps des fêtes. On va se donner ça comme objectif. On va en faire une dernière avant le temps des fêtes, en espérant que la COVID va s'éloigner encore plus de nous. Soit ça à tout le monde, puis pour qu'on puisse passer un temps des fêtes tranquille. Donc, merci encore, Martin. Merci tout le monde, puis on se dit à dans quelques semaines. Bye. Excellent. Merci. Bye.